les effets spéciaux, je vous le dis. C'est bien foutu, hein. Alors bonjour à tous, aujourd'hui MacForever est à Cupertino et oui au siège d'Apple, enfin presque au siège d'Apple on pourrait dire. Ouais, on s'est un petit peu fait jeter comme des malpropres, on peut le dire. Comme des merdes. Par une demi-douzaine de gorilles. D'ailleurs vous le voyez pas mais derrière Bicus il y a deux mecs dans un 4x4 qui clignotent, qui nous regardent, qui sont je pense absolument pas du tout morts de rire. C'est pour ça que la caméra tremble un petit peu hein, d'ailleurs. Tremble un petit peu, ouais. Donc je sais pas combien de temps on va rester ici. Pas longtemps. Donc on n'a pas le droit de filmer devant Apple, vous l'avez compris. Alors donc aujourd'hui on va faire un petit tour de la Silicon Valley très rapide, hein. On ira voir un petit peu Google, peut-être eBay, on a pas mal d'autres sociétés. Et puis on voulait en profiter pour introduire Vonnie. Yvonne. So Yvonne, you're gonna help us to present some interview in English. Absolutely. Right? You're ready? I'm excited. You know what a Mac is? Yeah. Yes, I've heard of a Mac. Yeah. Do you have them in France? Yes. Yes, we have it in France. Yeah. You're right. So Vonnie is going to help us to do some interview and some English translation in French, right? Yeah. Sure. French, yeah. Sure. Okay, so bye bye. Et puis on se revoit donc peut-être devant chez Google, peut-être devant chez Intel, peut-être devant chez toi, peut-être en prison. Alors, on est maintenant devant le garage de Steve Jobs. Ça y est, on y est. Et la sécurité nous a même lâché. Incroyable. Enfin, t'es sûr, Mathieu? Ouais, moi, je me suis observé un petit peu. Pas, maintenant, dès qu'on voit un gros 4x4 blanc, on sait pas trop. Donc là c'est le premier garage, en fait, où Steve Jobs, les parents de Steve Jobs, lui ont donné pour faire le Mac. Il a voilà, refait le monde. Va, fille, c'est refait le monde. Il est quand même pourri, ce garage. Enfin, voilà. Et il y a malheureusement des gens qui vivent dedans, les pauvres. Et ils doivent se faire emmerder tous les trois jours par des mecs comme nous. Et à chaque Mac, il y a des gens, des boulets, on peut le dire, qui viennent faire des plans séquences de 25 minutes. Tout à fait, ouais. Sans avoir rien à dire. En plus, parce que c'est un garage, quoi. Je veux dire, on a vraiment rien à dire. You have something more to say because it's a garage. It's quite boring, so. Well, I feel kind of nervous surrounded by all these white SUVs. Yeah. We too. And are you excited by this place? I mean, this it's garage. I've never been in such a beautiful garage. Peut-être. On doit rajouter une petite note personnelle. Oui, pour la faute de goût. En fait, c'est l'ancêtre du flower power. C'est ça. Hein? C'est un petit peu le tournesol qui a influencé tout l'esprit créatif de Steve Jobs. C'est ça, en fait. Je crois. Alors, on note que le contour bleu y était au début. Exactement. Écoute, la peinture n'a pas été refaite depuis 25 ans. Voilà. C'est vraiment la même peinture, avec des tuiles en bois. Et ça, je crois que c'est important de le signaler. T'as vu qu'il y a aussi un petit oiseau sur le mur en brique. Hein. Oui, un petit oiseau. C'était émouvant.
un autre garage, celui de Hewlett-Packard. Alors en 1939, Dave Hewlett, non, Bill Hewlett et Dave Packard. Bill et Dave, Bill et Dave, voilà. Ouais. C'est mon prénom. Exactement, c'est très joli, c'est très américain. On rachetait ce petit garage, ou le louait, je crois. Au fond, là, hein, voilà, le tout petit machin là-bas, et ils ont commencé à développer un audio oscillator. Donc qu'est-ce qu'un audio oscillator? Do you know what an audio oscillator is? I have no clue. Because that's the thing they designed in this garage. In this garage. Yeah, it was the origin of the computer. Voilà. Et apparemment, ce serait là où serait donc née la Silicon Valley, grâce à cette invention et à ce petit garage qui a été exploité pendant 2 ans par HP avant de déménager, parce que tout simplement, ça fait 3 mètres par 4, quoi. Alors en fait c'est un faux celui-là là. Alors ouais, celui-ci ils l'ont. Parce qu'il a brûlé, il paraît. HP a racheté la maison et ils ont tout reconstruit le garage qui n'existait même plus je crois. Et maintenant voilà c'est un petit peu le symbole et le berceau de la Silicon Valley. Donc il y a plein de mecs comme nous qui viennent encore tous les jours je pense visiter. C'est voilà. Pour ça qu'il y a personne qui habite d'ailleurs. Hein, parce que ça, t'imagines tous les mecs être, tous les jours. Ça doit être assez invivable. Welcome. We're at the Google campus. Didier and I are going to hit the garage next. Give you a tour of Silicon Valley. On en a un petit peu marre des garages. Hein. Ouais, non, ça y est, on a fait le tour. On peut voir un super dinosaure. Je précise quand même que c'est de nuit, hein, le Google campus, qu'il faut aller le voir parce que c'est pas ouvert la journée. Il y a personne qui travaille. Ils travaillent que la nuit. Voilà. C'est-à-dire que là, tout est allumé et tout le monde travaille. Voilà. Sauf nous, quoi. Donc on va bientôt alors, se faire virer. Hein, oui, alors là on est un peu surpris en fait. Il n'y a pas d'agent de sécurité, il n'y a rien, il n'y a personne. C'est un peu décevant. Peut-être qu'on s'en fiche de Google en fait, personne vient là, tu vois. Visiblement, c'est un intérêt. Attends, je ne sais pas si vous avez vu, mais ça c'est quand même un terrain de beach volley. Ils viennent là pour bosser, les mecs. Alors là, on a quand même croisé des vélos en libre service. Alors ça y est, on continue notre tournée des garages par. On avait dit c'était Vonnie qui faisait la présentation. Okay. No, it's you presenting the first. Yeah, you have to do it again. Yeah. Hi, welcome to Garage Forever. We're here visiting our third garage in the Silicon Valley. Matthew, would you care to explain what we're at? We're at Google's garage. I think it's been built. Ça a été construit au 18e siècle, 18th century. 18th century. Avant ou après Jésus-Christ? Donc tout ça pour dire qu'il y a 30 ans ici, il n'y avait rien. Facebook, and here's the Facebook development team behind us. It seems they're working hard. Very hard. Huh? They've got a very large 16 by 16 foot building, mm-hmm. Straight up, 3 stories. Non, c'est vraiment petit. Hein. Je crois même qu'ils ont. C'est tellement c'est petit, ils ont même pas de garage. Bah non, ils ont pas commencé dans un garage. Ils ont commencé dans un building, dans celui-là. Dans d'ailleurs, un aquarium. We haven't seen the garage yet. No, they don't have any garage. They're still in their first garage. It's too small.